Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Stage 1 et aujourd'hui nous allons parler de Worms Reloaded. C'est le dernier Worms qui est sorti, il me semble. Donc voilà, Worms Reloaded, c'est parti, on appuie sur une touche pour continuer. Comme d'habitude, hein, comme tous les jeux. Alors on va jouer en solo évidemment, on va faire une partie rapide pour pas se casser la tête. Et puis c'est parti. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance? Alors moi je... D'accord, je suis les bleus. Ah, déjà, ça commence super bien. Ouais, génial. Ah, et ils m'ont déjà mis dans un coin. Déjà, sur le premier verre, j'aurais eu de la peine à aller autre part. Oh, lui aussi, là. Oh, lui aussi, il est un peu bête. Donc, j'ai peut-être pas besoin de vous présenter Worms. Worms, c'est le jeu des petits verres. C'est la guerre. On doit se foutre sur la tronche. Le premier qui a tué tous les autres, il gagne. Alors. Donc, là... Il a encore. Voilà. Aïe aïe, ça fait mal. Ouais, surtout pour lui quoi. on a bien repéré, je suis le rouge. Hein. Donc là c'est à eux de jouer. Donc j'ai eu un peu plus de chance sur le deuxième verre quand même. Bah, lui, je suis sûr, il va nous faire un truc de fou. Allez, regardez-le arriver. Hop. Allez, il fait sa grenade. Il voit le moment bon, quoi. Comme par hasard, ils savent trop bien jouer en fait. C'est ces ordinateurs. Tu m'assures. Allez. Gaz à moi de couler. Voilà. Et évidemment, c'est encore un verre où. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là où je suis? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein, on va essayer d'envoyer un missile autoguidé vers... vers lui, on va essayer. Hein. On n'a rien à perdre. Allez. Il est loqué. Et puis, on tire peut-être pas trop. Ouais, j'avais pas vu. J'avais pas vu le truc au-dessus. Le mur au-dessus, ouais, c'est vrai que ça jette vite. Boring. Regardez. Comme par hasard, hop, il a visé quand même une fois le bon endroit. Voilà. C'est pas cheaté, ça. Extrêmement, ça m'a toujours étonné, quoi. Et comment vous voulez viser aussi bien? Pour être un pro gamer, je dirais. Pour envoyer autant du lourd. Voilà, donc moi, je suis toujours bloqué en haut. Voilà, génial. Il y a toujours des persos qui sont à des endroits où c'est qu'ils peuvent rien faire. Et lui, comme par hasard, il me balance des grenades dans la tête. Allez. Je rage un petit peu, mais en même temps, si vous regardez un peu la configuration du terrain, vous verrez quand même que... Alors, regardez, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Je vais tirer dans la feuille et on va essayer de faire de l'espace. Et comme par hasard, regardez, il reste un morceau. C'est-à-dire que là, même si je veux passer à pied, j'y arriverai pas. Je sais pas. J'ai pas de chance, alors je sais pas jouer, je sais pas. Peut-être que je vais jouer. Alors lui, bon, il a fait du caca aussi, mais je pense que c'était pas trop. Clairement, on va essayer de tirer dans la tête de Harry. On va essayer de lui tirer dans la tête. Ouais, comme on peut pas sauter, évidemment. Hein. Le petit mort qui nous casse les couilles. Allez, je veux lui tirer dans la tronche. Avec le fusil, non. C'est quoi ça, ninja? Essayez. Ça fait rien du tout. Ok. On essaye. Tout ce que ça fait, hein. Voilà, il a son truc de ninja. Bon, on va tirer au fusil, comme je disais. Allez. On va essayer. Vite. Voilà, 25. Ah merde, on peut tirer une deuxième fois. Ah, j'aurais pas eu le temps. Vite, 3 secondes pour se barrer. On va remarquer quand même que la musique d'ambiance, c'est des criquets. Donc bon.
On pourrait rapidement s'emmerder quand même devant un jeu comme ça. En multijoueur, oui, on s'éclaterait, mais tout seul, pareil, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors lui, il a fait le con, il s'est tiré dessus. Ok. Il s'est tiré sur lui-même. Mais vu qu'il me reste 11 PV, ils sont deux, je risque pas de faire un hit shot. Hein. Allez. Ah. Bon, revoilà avec un perso bien perdu, bien bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Comme d'hab. Voilà. On va essayer d'y aller au jetpack. Comment ça marche là, déjà? Donc j'en déduis qu'il faut rester espace appuyé. Voilà. Okay. Donc ça n'a pas du tout marché. Voilà. Donc, j'ai éclaté la tronche. C'est super. Et voilà. Donc je n'ai rien fait, en plus je m'en suis pris plein la tête. Une vidéo assez honteuse. J'ai un peu honte, mais bon. Au moins. Peut-être comme je vous l'ai jamais dit, mais sur les vidéos je fais jamais plusieurs prises. Hein. Si je me plante, je me plante. Hein. Là, je suis en train de lamentablement me viander dans ce jeu, de passer pour un gros noob. Ça sera posté. Hop. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je suis encore bloqué. Hein. La seule solution que j'ai, voilà, c'est de tirer dans le sol. Hein. Je pense qu'on finira pas cette partie. Elle est beaucoup trop longue et de toute façon, dans tous les cas, c'est pas gagné. Ça fait déjà 8 minutes qu'on est en train de papoter. Pas 8 minutes, 6 minutes. Voilà, je me fais toujours éclater la tranche. Donc là, voilà. Alors, tous les deux. Voilà, et lui aussi. Au moins, il y en aura un qui sera mort. Ce sera déjà ça. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Allez, voilà, donc on revient sur mon perso qui est bien bloqué. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien! Rien du tout! Alors, je sais qu'il y a un truc ninja. On va peut-être aller voir. Attends. Non, on va pas tirer. Mauvaise idée. On va aller chercher le truc ninja, la grappe, là. Le kunai. On va essayer de faire le ninja. Alors, comment ça marche? Ouais. Ok. Donc, le trou a pas l'air d'être assez grand pour que je puisse passer. J'ai droit à 4 balancements restants. Allez! Ah, le temps s'écoule déjà. Il était totalement impossible de passer ce truc. Voilà, on va arrêter Worms sur ça, je pense. Voilà, malgré ma performance un peu foireux, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura au moins fait découvrir Worms Reloaded, qui est très joli graphiquement, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et très bientôt.